Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une boîte dégueulasse. C'est ton expression, Clément. Hein. C'est ce que tu as dit juste avant de lancer la vidéo. C'est bien, on voit pas qu'elle est dégueulasse. Ah bah si, elle est dégueulasse. C'est une boîte de prototype d'un jeu qui ne l'est pas du tout. Dégueulasse, pardon pour le terme. Nous allons vous présenter aujourd'hui Paper Tales. Et je ne suis pas tout seul, puisqu'il y a Clément et Sébastien de Catch Up Games. Salut. Salut. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir fait le trajet pour nous parler de ce jeu que vous connaissez peut-être. Parce que c'est déjà un classique. C'est déjà un jeu qu'on a vu beaucoup dans les boutiques, notamment. Et avec un graphisme magnifique, signé Christine Alcouf, qui attire l'œil. C'est un jeu qui a une actualité. Il ressort, il va ressortir dans une nouvelle version. Vous voyez peut-être, si vous avez l'œil fin, que la boîte est plus grande que celle que vous connaissez. Ouais, c'est l'édition intégrale de Paper Tales. Paper Tales était sorti en 2017, à peu près à la même époque, septembre-octobre. Il est en rupture de stock depuis à peu près un an. Et là, il revient dans une édition intégrale qui reprend les deux extensions, celle qui est déjà sortie et celle, la deuxième, qui sortira en même temps que cette édition intégrale pour les gens qui ont déjà le jeu de base et éventuellement la première extension. Et la sortie sera vers novembre-décembre. D'accord. Plutôt fin novembre, début décembre. Pour les 5 ans du jeu. Et donc on en profite, on fait une vidéo dessus, on va vous parler de cette nouvelle extension. C'est un jeu qui est signé par Masato Uesugi. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ouais, je suis content. Et c'est donc un jeu de cartes assez nerveux, avec de la combo, avec des petits effets. On va avoir le plaisir d'en parler plus en détail dans cette vidéo. Et puis bien sûr, on va pas se gêner, on va faire une petite partie. Alors on en profite, on a une boîte. Alors c'est un prototype. Elle ne sera pas comme ça, il n'y aura pas des trucs qui rebiquent dans tous les coins. On espère. Ouais. Mais à l'intérieur de cette boîte, déjà, première remarque, c'est plus un roi sur la couverture. Là, c'est une reine pour cette nouvelle édition intégrale. Effectivement, pour ceux qui connaissent Paper Tales première édition, c'était, il y avait le profil d'un roi, et là, c'était une espèce de clin d'œil. Maintenant, c'est la reine qu'on joue. Et à l'intérieur de la boîte, il va y avoir, on va la mettre plus vers le milieu, on va avoir un thermoformage, et celui-ci est définitif. Tiens, je te laisse le montrer, Sébastien. Alors oui, c'est un thermoformage d'usine, mais effectivement, il va être comme ça. On n'avait pas dans la boîte de non, base. On l'a validé. Non, il n'y avait pas de thermoformage, non. D'une manière générale, on n'a pas beaucoup de thermoformage dans nos jeux. Quand on n'estime pas que ça peut être vraiment utile, là, on a vraiment pensé à ce rangement pour faciliter encore la mise en place, qui est déjà théoriquement dans ce jeu plutôt courte. Oui. Mais oui, du coup, là ça permet de classer les sets de bâtiments des différents joueurs. Et on s'est pris la tête avec Dominique Breton, d'ailleurs, qui a travaillé avec nous sur ce thermo, comme il avait travaillé avec nous sur la machine du Dr. Fou dans The Loop, pour vraiment faire un thermo où les éléments ne bougent pas, quand on trimballe la boîte, quand on la secoue. Parce que sur les jeux de cartes, en fait, j'ai une malédiction sur certains jeux de Small World notamment, et Dominion aussi. À chaque fois que je ressors une de mes boîtes de Dominion, tout est en vrac à l'intérieur. Toutes les cartes qu'il faut garder bien triées. Normalement, là, ça ne doit pas être le cas. Tu me certifies que je vais pouvoir secouer ma boîte. On peut faire l'essai. Prends pas de risque, attention. Attends que j'y remets le couvercle. On peut faire l'essai. Mais on peut le faire tout à l'heure après la partie. Voilà, il va y avoir des cascades suspense. Et tu pourras mettre tes cartes slivées à l'intérieur, bien sûr. Et vous m'avez dit qu'il y avait également des ajustements par rapport à la boîte qui est parue donc il y a 5 ans maintenant. Ouais, il y a des petits ajustements. C'est que les pions personnages, avant c'était des jetons, maintenant c'est des pions de score en fait, qui sont au profil. Il y a un plateau qui est plus grand et qu'on espère plus joli, parce qu'on trouvait que... Il y a plus de cases, parce que comme le jeu arrive avec les deux extensions, tu peux faire aussi des scores plus importants que dans juste le jeu de base. Et on a revu les jetons âge aussi. On a revu l'aspect des jetons âge avec Christine, voilà, illustratrice du jeu. D'accord. Là, c'est pas encore les nouveaux, mais on va pas tarder à les recevoir d'ailleurs. Ok, bah, très bien. On va se lancer dans l'explication et après, on va jouer. On en vient à l'explication du jeu. Sébastien, on t'écoute. Comment on joue à Paper Tales? Alors, Paper Tales, c'est un jeu de draft à combo pour 1 à 7 joueurs. Du coup, on va être à la tête d'un royaume qu'on va développer pendant environ 200 ans. En fait, chaque tour de jeu, les 4 tours de jeu qui constituent la partie, vont représenter à peu près 50 ans de durée. Pour développer notre royaume, on va avoir deux types de cartes. On va avoir ces cartes unités qui sont dans ce deck principal. Il y a une seule pile. Là, on va avoir encore un type supplémentaire de cartes dedans qui est lié au fait qu'on va jouer avec la deuxième extension du jeu, ceux qui forgent les légendes, et qui apporte des artefacts légendaires. Bon, on va détailler ça. Donc ça, c'est les nouvelles cartes qui ne sont pas dans le jeu de base que peut-être... Ouais, cette carte-là, par exemple, c'est un artefact légendaire. Et donc ouais. Ça, c'est un nouveau type de carte, mais c'est mélangé avec les unités
Et donc, il y a un deuxième type de cartes qui sont nos bâtiments. Et ça, on a un set, on a un même set de bâtiments pour tous les joueurs qui sont les bâtiments qui sont disponibles à la construction pour cette partie dans une phase qui va intervenir à chaque tour. Donc, c'est les possibilités de construction qu'on aura pendant cette partie. Et donc, on va jouer 4 tours de jeu. Et chaque tour de jeu, il va se dérouler en suivant les phases qui sont indiquées ici sur cette petite aide de jeu. Elles sont numérotées. De 1 à 6. On va commencer le tour par une phase de recrutement, qui est la phase de draft. À cette phase, on va recevoir chacune 5 cartes. Oui. Et on va faire un draft avec ces cartes. Donc le draft, c'est une méthode de partage. Oui. C'est vrai qu'on l'utilise abusivement pour parler de cette méthode dans laquelle on va prendre une carte et passer le reste à son joueur, en général, à sa gauche. Là, le sens de rotation va se faire en fonction du tour en cours. Premier tour, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, deuxième tour à l'inverse. Toutes les phases vont se jouer simultanément. On va jouer la première phase tous ensemble, puis une fois que tout le monde a terminé avec sa première phase, on va faire la deuxième phase tous ensemble, et ainsi de suite, toutes les phases se jouent en simultané. Donc on va sélectionner une carte, je vais la mettre devant moi, et je vais la passer. Okay. Tiens Clément, ton paquet. Ah, merci. J'ai pris au pif. Tu vas perdre. Bah non, mais c'est l'explication. J'ai jamais perdu une explication depuis le temps que je fais des vidéos. Je choisis celle-là, je te passerai ça. Et on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait récupéré 5 cartes. Voilà, mettons qu'on ait fait ce draft. Ensuite, on va aller à la phase de déploiement. Dans la phase de déploiement, on va pouvoir mettre des unités en jeu dans notre royaume. Or, notre royaume, il a un espace qui est limité, qui est qu'on n'a que 4 emplacements pour placer des unités. On va les placer cacher ces cartes, oui, aux différents emplacements, sachant que on a 2 emplacements devant, c'est un carré, et 2 emplacements derrière. C'est important pour la phase de guerre, puisque il y a que les unités qui sont à l'avant dans notre royaume qui pourront faire la guerre. Donc une fois que tout le monde a fait ça, on va révéler les cartes qu'on veut mettre en jeu dans notre royaume. Donc j'ai révélé ces 3 unités, et donc la première chose, c'est que je vais devoir payer la quantité d'or qui est indiquée en haut à gauche sur mes cartes que je viens de mettre en jeu. Ensuite, on va activer toutes les capacités des unités qui indiquent une phase 2, puisqu'on est à la phase 2. La phase comme celle-là, par exemple. Par exemple, celle-ci. Si j'avais déployé cette carte-là, je déclencherais immédiatement sa capacité. Ok, parce qu'il y a des capacités qui vont dépendre des différentes phases. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la troisième phase, qui est la phase de guerre. Lors de la phase de guerre, on va comparer la force militaire de nos royaumes via les forces qui sont indiquées dans les boucliers sur les unités qu'on a, en ne comptant que celles qui sont à l'avant. Donc là, moi, j'ai une force de 7 et je vais la comparer avec ta force et la force de Clément. Par défaut, chaque joueur va gagner 3 points de légende, c'est les points de victoire sur la piste de score, pour chaque guerre remportée contre un voisin. Et ensuite, on va tous activer nos capacités de guerre sur nos cartes. Les capacités de guerre, souvent, c'est des capacités qui augmentent la force, donc on les prend en compte tout de suite dans le calcul, soit c'est des capacités qui vont nous permettre de gagner des points supplémentaires. Donc par exemple, celle-ci, le général qu'on a tous les deux, il fait 1 point de légende par guerre remportée. Ensuite, le revenu, on gagne de base tous 2 pièces, plus les capacités de phase 4 qu'on aurait dans notre royaume. Et ensuite, on va attaquer la phase de construction, qui est une phase assez dense et importante dans le jeu, parce que c'est là qu'on va pouvoir construire ces bâtiments. À la phase de construction, on a une action de construction. Cette action, on peut l'utiliser soit pour construire un nouveau bâtiment, soit pour améliorer un bâtiment qu'on aurait déjà. Les bâtiments, ils sont tous à 2 faces. Il y a une face en marron qui est niveau 1 ici, et une face niveau 2 en gris, en pierre, qui est plus puissante. Est-ce qu'on peut commencer direct par construire en gris ? Et on peut directement construire un niveau 2, mais ça va demander plus de choses. En gros, pour pouvoir construire un bâtiment, la première chose à faire, c'est déjà payer un coût du terrain. Le coût du terrain, il est égal à 2 pièces d'or pour chaque bâtiment qu'on a déjà construit précédemment. Donc, au premier tour, on n'a pas de coût de terrain, mais
Si j'ai déjà un bâtiment, mon deuxième va coûter 2, ensuite 4 et ensuite 6. Et ensuite, il va falloir vérifier qu'on produit les ressources qui sont demandées par ce bâtiment. Et là, on voit les coûts des bâtiments, ils sont indiqués ici. Niveau 1, par exemple, ici, la scierie, 2 bois au niveau 1 et 1 bois au niveau 2. La production de ressources, c'est un deuxième grand type d'effet qu'on a sur les cartes qu'on a en jeu et qui apparaissent dans des parchemins. Oui. C'est donc ces cartes qui nous disent, ben là, celle-ci produit une nourriture. Celle-ci produit une nourriture sous condition d'être à l'avant dans mon royaume. Et celle-ci produirait un minerai par jeton d'âge sur cette carte. Et donc, on va vérifier qu'on peut payer, sachant que pour mettre un bâtiment au niveau 1, il faut fournir les ressources de niveau 1, mais pour mettre un bâtiment directement au niveau 2, il faut fournir les ressources de niveau 1 plus les ressources de niveau 2. Et pour si on veut juste améliorer notre bâtiment, alors on a déjà payé le coût du terrain à la construction initiale, on a déjà payé le niveau 1, donc il ne reste plus qu'à vérifier qu'on fournit les ressources du niveau 2. D'accord. Mais c'est une importance dans la règle parce que ça se joue en 4 tours et tu n'as qu'une opportunité ou de construction ou d'amélioration à chaque manche. Et donc du coup, ça veut dire que maximum, tu peux avoir que 4 bâtiments. Et si tu veux avoir 4 bâtiments de niveau 2, et tu peux le faire, mais c'est assez dur et c'est une stratégie en soi, ça veut dire qu'il faut acheter tes 4 bâtiments directement au niveau 2. Donc il faut produire pas mal de ressources et ça a beaucoup d'implications dans le jeu. Ces bâtiments, ils vont rapporter des points de légende à la fin de la partie. C'est toujours 1 point pour le niveau 1, 3 points pour les niveaux 2. Et ils ont une dernière petite icône ici qui rappelle que à partir du moment où j'aurai au moins un niveau 2 dans mon royaume, je vais débloquer un cinquième emplacement à l'avant dans mon royaume. Une fois que chaque joueur a réalisé une action de construction, et donc une seule action de construction, on passe à la phase d'âge. Et à la phase d'âge, on va commencer par devoir faire mourir toutes les unités qui ont déjà un ou plusieurs jetons d'âge sur elle. Donc là, en l'occurrence, mon mystique va mourir. Je vais activer les capacités de mes cartes qui sont de phase 6. Là, typiquement, par exemple, mon mystique, il dit « Vous pouvez empêcher une de vos unités avec un seul jeton d'âge de mourir. » Et ensuite, une fois qu'on a fait mourir les unités qui devaient mourir, on rajoute mécaniquement un jeton d'âge sur chaque unité qui a survécu pour symboliser le temps qui passe. Quand on va déployer... Donc je peux très bien dire cette carte là je la défausse pour faire de la place et ensuite je vais placer des cartes et ça se trouve ce tour-ci peut-être que j'en placerai que deux et du coup il va me rester des cartes en main. Sur ces cartes je vais pouvoir en garder une seule pour la suite et je vais défausser tout le reste. Et donc il y a des cartes supplémentaires qui se rajoutent dans cette deuxième extension. Oui, dans la première. Dans cette deuxième extension, il y a des nouvelles unités, il y a des nouveaux bâtiments avec lesquels on va jouer. Normalement, le jeu de base, on joue avec 5 bâtiments. Là, on va jouer avec 7 bâtiments. Et il y a des nouvelles unités dans la pioche et aussi ces artefacts légendaires. Ces artefacts légendaires, ils fonctionnent un peu différemment des unités parce qu'ils ne vont pas rentrer en compte dans notre limite de 4 cartes. D'accord. Et c'est pas non plus des bâtiments. C'est des cartes qu'on va jouer à côté. Bon, par exemple, ici. Oui. Donc quand je vais les déployer, je vais la déployer face cachée. Et elles n'ont pas un coût fixe, elles ont un coût qui fonctionne un petit peu comme le terrain. C'est que chaque artefact coûte une pièce plus une pièce pour chaque artefact que j'ai déjà en jeu. Ce qui veut dire que le premier va coûter une pièce, le deuxième va coûter deux pièces, le troisième va coûter trois pièces. Mais par contre, les artefacts, ils ont un effet qui va être permanent et donc qui ne rentre pas dans la limite et en plus ils sont pas affectés par l'âge un peu comme le seraient les bâtiments. Donc mais ils perdent jamais. Oui. Donc ça, je sais que je vais avoir 2 en force pour toute la partie. Donc on joue 4 tours de jeu à l'issue du 4e tour, celui qui a le plus de points assez logiquement remporte la partie. Oui. Et là on a tous les éléments nécessaires pour se lancer dans la partie et essayer de te battre. Donc Sébastien, on a compris que c'était l'objectif. C'est toujours des techniques. Je pense qu'il faut qu'on cède sur le draft. C'est des techniques tous les deux, quand on se file des cartes, il faut qu'on cède sur le draft pour qu'il y en ait un ou deux qui gagne. Ok, on va essayer. Et ben on est prêt, on se lance. Allez, c'est parti. Après. Moi je vais choisir ça. Allez. Je sais pas si c'est bien. Moi j'ai pris la meilleure carte du jeu. J'ai eu la chance d'avoir la meilleure carte du jeu dans mes 5 de départ.
Et donc on passe à la phase de déploiement. Alors moi, vous n'avez pas vu le draft parce que c'est forcément c'est difficile de vous montrer le draft dans une vidéo, mais j'ai pas vu passer une seule carte avec du bois par exemple. Je sais pas si vous en avez vu, vous. Non, peut-être. Je sais pas, peut-être. Pas une seule. C'était très mal petit mélangé ce papier. Et on révèle simultanément et on paye ce qu'on doit payer. Donc en l'occurrence, moi je vais payer 2 pièces. C'est pas le bon endroit. Hop, comme ça. Et moi aussi. Comme ça. Je suis comme ça. Qui sert à rien. Donc là par exemple, Sébastien, il a des effets de déploiement. Il doit par exemple mettre un jetonnage sur chaque unité qu'il a déployée en même temps que la maîtresse d'armes. Sur chaque autre unité. Ah, et monsieur fait la guerre. Monsieur fait un petit peu la guerre. Et la vieillesse apparemment. Je sème la vieillesse dans mes rangs. Mais c'est pas si mal que elle arrive directement aussi. Quand elle arrive. En fait, elle est forte, elle coûte 1, voilà. Elle produit 2 ressources qui sont bien demandées. Elle a 2 en plus à la guerre, mais ça veut dire qu'elle va mourir forcément à la fin de son âge. Et ça m'embête pour celle-là, mais à court terme, bah, j'ai envie de gagner les guerres parce qu'il n'y a pas beaucoup de tours dans le jeu. Mmh. Et je me dis, bon voilà, il y a lui qui gagne un jeton, il va me rapporter une pièce en plus quand il mourra à la fin du tour. Lui, ça lui permet de payer moins cher. Et en plus, quand il va mourir à la phase 6, il va directement gagner une pièce parce que... Et une fois qu'il est en jeu, t'as pas envie qu'il reste... C'est ça. T'as pas envie qu'il reste trop longtemps avant de te donner des sous. Et de mon côté, moi j'ai fait un développement qui va me permettre de construire directement un bâtiment de niveau 2 au premier tour. Parce que j'ai... Tu ne trouvais pas de bois, moi j'ai du bois et de nourriture. Donc je pourrais tout de suite construire le bâtiment. Ah bravo, monsieur a gardé tout le bois. Voilà. Et ben moi j'ai aussi la maîtresse d'armes. Donc, ouais. Donc t'as rajouté les deux autres cartes. Celle-ci, je l'ai posée juste pour faire beau. Parce que clairement, elle ne va pas me servir des masses. Tout à fait. Mais je ne pouvais pas la garder en main. Donc autant la poser pour faire beaucoup. Elle ne va pas forcément pas te servir parce qu'elle te permettra de construire la taverne, par exemple, ça dépend ce au premier tour. Bah, si... Je vais faire le temple, a priori. Alors, suivez le temple, elle ne va pas te servir des masses. Du coup, maintenant... La taverne, non, je ne peux pas. Parce que... Ah oui, si, juste, parce que la taverne, il faut juste une nourriture et tu auras une nourriture. Non, je vais faire le temple. Et donc, de ce fait... Maintenant... En ce qui me concerne, rien de plus. Tu as payé un. T'aurais dû... Je paye un. Et il faut que tu retournes aussi ton artefact légendaire. Ouais. Que et donc, tu payes un aussi, ouais. Mais le mets pas sur la même ligne, mets-le juste un peu à l'écart pour signaler qu'il est pas dans ton... Enfin, il est à côté de tes 4 emplacements. Et maintenant, on fait la phase de combat. Oui. Moi, en l'occurrence, j'ai 6. Moi, j'ai 7. Et moi, j'ai 5. Je pensais gagner un combat avec cette maîtresse d'armes que j'ai posée que pour ça. Vous auriez dû me dire, hein, que... dire que ça ne suffirait pas. Donc, Sébastien gagne 2 guerres, il gagne 6, mais comme il a le général, il gagne 2 points de plus, donc il gagne 8. Gagne cette guerre. Moi j'en gagne une, je suis à 3 points. Et toi t'es jaune. Je suis jaune. Et toi tu n'en gagnes pas, donc tu restes à 0. Bah ouais. Je suis déçu, hein. Pourtant j'ai mis le paquet. Arrive ensuite la phase de revenu. Et là on prend, par défaut on prend tous 2 pièces, sauf si t'as des cartes qui te rapportent des... Non. De l'argent en phase de revenu. Et arrive enfin la phase de construction, où là on peut construire en fonction des... Alors comme on n'a pas de bâtiment encore, le premier bâtiment ne coûte pas de pièces. Et on construit en fonction des ressources qu'on a. Moi par exemple j'ai 2 nourritures et un bois, je peux construire directement la taverne de niveau 2 qui demande 2 nourritures et un bois pour être construite d'emblée au niveau 2. Donc je la retourne directement au niveau 2. Je vais profiter de ces 2 effets dès maintenant, et au prochain tour je pourrais poser une 5e unité à l'avant. Moi je vais tenter le temple, mais ça me coûte tous mes sous. Ça te coûte tous tes sous. Est-ce que c'est risqué de commencer sans sous le tour 2? Alors c'est risqué dans la mesure où là ce que tu vas garder toi, tu pourras pas garder grand chose. Il y en a 2 qui vont mourir des unités, ouais. Parce que les 2 ne... Voilà, donc ça veut dire que si tu dépenses tous tes sous, tu vas pas en regagner entre. Il va falloir que tu trouves que des unités 3-4 unités qui sont à 0. Il y en a pas mal, mais c'est pas les plus fortes évidemment. Et ça va pas me faire gagner la guerre. Ou des unités à moins 1 comme ça qui peuvent exister. Mais ça m'embête de commencer au niveau 1 parce que ça signifierait déjà que j'ai pas les 5 cartes. Ouais. Et ensuite que. Ça se tente. Et en plus, ça veut dire que si tu la construis au niveau 2, à la prochaine phase de guerre, elle va te rapporter 2 points. Ouais, donc je la fais niveau 2, tant pis. Écoute. Si tu arrives à trouver, après, éventuellement, tu as gardé une carte du tour de la manche d'avant qui coûtait 0. En fait, je regrette d'avoir posé cette maîtresse d'armes qui a fait vieillir, mais je pensais que ça me permettrait de gagner un combat. Ouais. Alors après, ayant joué une épée de gloire. Mais ça dépend vraiment des parties, c'est vrai. Ça dépend vraiment du draft. Souvent, 5, t'es pas mal placé pour gagner une guerre. Tu vois, c'est rare d'avoir 5 et 2 pertes. Je suis déçu. Ça se comprend. Et toi, qu'est-ce que tu construis, Sébastien? Eh oui. Eh bien, je vais faire la même chose que toi, figure-toi. Ah bah ouais. Là, tu commences sans argent. Comme toi. Bravo. Et avec la même maîtresse. Mais est-ce que tu n'as pas tout copié sur ma stratégie brillante? J'ai un peu tout copié. J'ai l'impression. J'ai un peu tout copié sur toi, sauf ta position sur la piste de score. Ouais, bah... Donc ça, c'était la phase de construction. On passe à la phase d'âge. Ouais. Donc, d'abord, on fait mourir toutes les unités qui ont au moins un jeton. Ah, il n'y a plus grand-chose. Hein. On peut les défausser par là. Allez, hop.
Quand on défausse dans le jeu, on va défausser face cachée. Elle meurt et elle me rapporte une pièce parce qu'elle avait un jeton H qui est dessus. Un jeton H dessus. Donc t'as vu, je suis déjà plus. Voilà. Donc là, on a fait une manche. on passe à la deuxième manche. Et quand on va. Lui aussi, mourrait. Ah oui, pardon. Avant de passer à la deuxième manche, on met un jeton H sur toutes les unités qu'on a en jeu. Donc elles vont mourir à la fin du prochain tour. Et maintenant, on passe à la manche 2 sur 4. Donc, au draft, on va tourner dans l'autre sens. Ah, okay. Bah voilà, donc là j'ai mes chances. Là maintenant, tu y as plus de chances. Que tu reçois des cartes un peu plus. Clément, c'est quelqu'un qui est sympa. Ouais. Je contre-draft. Clément surtout. Je contre-draft. J'ai jamais fait. Je contre-draft moins que Seb. Et donc là maintenant, alors vous, vous avez pas des problèmes de riches, vous avez de la chance, vous avez plein de places dans votre royaume. Vous avez 5 emplacements et vous avez. Je pense qu'il y aura limite trop de place. Moi, il va falloir que je fasse des choix, tu vois, comme je peux mettre qu'un certain nombre de cartes. Et donc c'est là qu'on peut, hop, par exemple, je défausse cette carte en disant celle-là, en fait, je ne voulais plus, je me suis trompé, elle ne m'intéresse pas. Écoute, moi je vais la garder. C'est bon comme, ouais, c'est super. Moi je paye 3. Moi je paye. Bon, ça va. Moins 1. J'ai presque envie de gagner des sous tellement j'ai bien joué. Tu gagnes une pièce du coup. C'est vrai. Oui, ouais, ouais, quand tu mets moins 1, tu gagnes une pièce. Une pièce. C'est... Hey, je finis plus riche que je n'ai commencé. Moi je paye 1. Ce qui est pas si grave, franchement. Les revers de fortune. Alors moi j'ai deux maîtresses du temps qui doivent mettre des jetons âge. Elles vont se les mettre sur elles-mêmes. Ça c'est des maîtresses du temps bien jouées. C'était vraiment pour pas pour poser des cartes quoi, pour vous faire peur. Ça a marché. Enfin, presque. Alors moi j'ai un porte-étendard qui sert à rien, mais je suis content de l'avoir posé. Parce que sinon je le jetais. Donc... Non, il va te servir. Bah là c'est à la pause. Ah non, c'est un coup de deux. Ouais, ouais, ah, oui, 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 donc non. Pardon. Non, non, il va vraiment pas me servir. J'aime bien faire des trucs comme ça. Et toi Clément, rien de spécial? Alors si, c'est que moi j'ai continué ma combo nourriture sur la taverne qui marche beaucoup avec la nourriture. Et en fait chaque nourriture va me rapporter des sous. Et l'ogre, en fait, il gagne 1 en force pour chaque sou que je gagne lors de cette phase. Donc, en fait, on est autour d'eux et j'ai une grosse force. Mmh. Et ça tombe bien, parce que si vous n'avez plus d'effet de déploiement, je vous propose qu'on compte notre force. Ouais, mais moi, c'est pas top, toujours 5. Autour d'eux, c'est pas terrible, donc je vais me contenter de perdre encore cette guerre. Moi, je suis à 13. Ça, un petit truc qu'on n'a pas, forcément insisté dessus, mais la plupart des effets de déploiement, ils ont cette petite icône-là, oui, qui fait qu'on les applique qu'au moment où on met l'unité en jeu, oui, dans notre royaume. Ce qui n'est pas le cas pour les autres phases où les effets se répètent à chaque manche donc, si les unités survivent. Vous gagnez tous les deux la guerre contre moi, puis entre vous deux, qui gagne? Je pense que c'est moi, parce que j'ai 13. Moi, j'ai 7, 8, ouais. Donc moi j'en gagne une, 1, 2, 3, toi tu en gagnes 2, ouais, ouais. Donc j'ai 6 points, tu passes à 9, et c'est là qu'on compte les points de victoire aussi de nos bâtiments. Très peu pour toi la guerre. Bientôt. On compte les points de victoire de nos bâtiments, donc toi tu gagnes 2 parce que t'as un temple. Moi je fais 2 points. Et moi la taverne elle me rapporte 3 points parce qu'elle me rapporte 1 point par nourriture qui est chez moi et j'en ai 3. Bravo. Merci. Ensuite, on va passer à la phase de revenu. Ça te rapportera un point à la fin de la partie. Puis si je gagne des guerres, un jour. Aussi, si tu gagnes des guerres. Et effectivement, tu as toute la partie pour gagner des guerres. Mais oui. Encore 2 manches, quoi. Bon. Donc là, la phase de revenu, on prend tous 2 pièces, ouais, plus les pièces qui nous sont rapportées éventuellement par. Tu prends 4 pièces. Unités. Moi, j'en jamais prends, été si aussi riche de ma vie. Et moi, j'en prends 5. Et en plus, est-ce que tu produis de la nourriture? Mais oui, nourriture, bah oui, bah donc tu prends encore une pièce. Ouais, tu prends 5 pièces. 5 ah ouais, pièces, c'est énorme. Bien joué. Bah, c'est beaucoup, 5 pièces. Oui. Bah, quand même. Tu fais la fine bouche. Tu m'as fait la fine bouche. Phase de construction. Est-ce que je peux construire un truc? Alors, attention que la construction, maintenant, comme on a déjà un bâtiment, si on veut construire un deuxième bâtiment, ça nous coûte 2 pièces. 2 pièces. Ouais, ça va, c'est rien. Et moi, avec 2 bois et une nourriture, je vais construire une auberge au niveau 2. Pour 2 bois et une nourriture. T'as payé ton terrain? Non. Ah. J'ai essayé de tricher, mais si on n'a plus le droit de tricher pour gagner. Moi, je vais faire une taverne parce que j'ai pas le choix, en fait. Il n'y a que ça que je peux construire. Et c'est un choix mûrement réfléchi. Et moi, je ne construis pas. Tu veux garder tes sous?
Il y a peut-être une grosse carte qui coûte 4-5. T'as payé ton terrain, hein. Ah oui, ouais. Même j'ai tiré, je suis comme Crésus. Et arrive maintenant la phase d'âge, donc les unités meurent. S'il y a des effets, on les applique, et puis nos anciennes les unités qui viennent d'arriver en jeu prennent un jeton âge et mourront à la fin du prochain tour. Et on passe à la manche 3. Waouh ! À ce point-là ? Bah... quand même ! Voilà. On est bon ? Ouais, je suis bon. On déploie. Ça me coûte 2. Ça me coûte 0. Ça me coûte 3. 2. Ça me coûte 0. Tu mets 2, c'est ça me coûte 1. Ah, parce que tu sors un... grosse combo. Pour finir à 3 de force. Waouh ! Je suis sur la train que tu vas gagner de la guerre. J'ai 4 de force. T'as pas de pouvoir ? Non. Oh. Pas pour ça. Mais je me suis trompé, mais c'était ça. Du coup... lui, il doit mettre un jeton âge sur une unité que je viens de déployer. Ce sera lui. Et pour le reste, donc lui il me fait une pièce et un point. Et lui il me fait une pièce et un point. Très bien, bah moi le rien. J'ai pas d'effet particulier. Et moi non plus. Donc on fait la phase de guerre. C'est ça, hein ? Ouais, moi j'ai 4. Et moi j'ai 11. C'est mon plus petit score depuis le début. J'ai failli, je me suis dit... parce qu'il y avait quand même mais un artefact. Tu gagnes une guerre quand même avec j'ai défaussé un artefact qui fait plus 2 en force si j'avais su. Eh ben, j'aurais pu gagner une guerre. Quand on n'y croit plus, tu vois. Donc moi, je... avec toi, 11... tu gagnes une guerre. Ouais, moi je gagne une guerre. Clément, il gagne 2 guerres. Ouais. 3, 4, 5, 6. Moi, je gagne 0 guerre. Et moi, du coup, j'ai un bonus. J'ai jeté des trucs aussi qui me donnaient des bonus de guerre. Mais quand même, je vais prendre alors déjà 2 points pour le temple, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ensuite, je vais prendre aussi 1 point en plus parce que j'ai gagné une guerre. Bien joué. Ouais. Avec mon épée de la gloire. Et moi, je vais gagner 1 point grâce à ma taverne parce que j'ai une viande dans mon royaume. Une nourriture, pardon. Et puis là, je gagne 1 point de victoire par coup d'unité différent, donc ça me fait 3. Ah, il faut marquer des points et tout le temps, ça, c'est ça le truc. Non, il faut jamais s'arrêter. Ouais. Ouais, j'ai oublié ça. Et après, en phase 4, on passe en revenu. Phase de revenu, ouais. Donc on gagne 2 de base, ouais. Plus ce qui nous revient de droit pour ce qui nous revient. Bon, lui, il me rapporte 3. C'est l'avantage des vieux serpents. 1, 2, 3, 4, 3, je gagne 5. 4, 5. 6, 7. 7 ? 8, 9. T'arrêtes ? Non, il a des sous, on dirait. Ouais. Mais bon, le dernier tour va être incroyable. T'as gardé la carte qui valait 8 que j'ai vu passer pendant le draft ou tu l'as achetée ? Est-ce qu'il l'a gardée ? Moi, je l'ai pas en tout cas. Je l'ai pas vu passer ? Ah bah, je l'ai jamais passé chez moi. Ah, c'est étonnant. C'est, du coup, ça veut dire qu'on a fait un draft dans un sens et dans un autre. Je sais pas, je sais pas, mais. Bon, moi, je prends 7 si je me trompe pas. J'ai 1, 2. Elle s'est téléportée. 3, 4, 5, plus les 2, ça fait 7. C'était il y a longtemps ? Non, c'était la manche d'avant. Et donc arrive la phase de construction. Oui, donc construction, bah moi je peux faire directement une auberge, je sais pas si je suis bien. En sachant que t'as déjà 2 bâtiments ? Oui. Non, t'as 1 bâtiment. Non, non t'as 2 bâtiments, donc ça te coûte 4 pièces déjà. Et bah je vais améliorer ma taverne. Hop. Et ça te coûte. T'as pas de coût du terrain pour ça. Oui. Ça c'est bien parce que. 2 PV de gagner. Elle te marquera des points, elle te fera des pièces à. Ah oui, mais l'autre, l'auberge. Si t'as de la viande. Non, alors je vais pas améliorer ma taverne, tu m'as convaincu. Ah. Je vais directement faire l'auberge, ça me coûte donc, tu m'as dit 2. 4, c'est 2 par bâtiment que tu 4, as déjà. 4, c'est rien, 4. Non, c'est rien. Voilà. Et donc, on arrive à la phase de d'âge où on va perdre nos unités. Ouais. Moi, je perds un scribe. Moi, je peux en sauver une grâce au médaillon de vie, mais je sais pas laquelle je vais sauver. Je perds un scribe et un serpent géant. Moi, je perds un fermier et un cuisinier, et puis les autres vieillissent. Et ouais. Ma chercheuse d'or... et ma scribe. Bis. Allez, je vais perdre cet enfant des forêts. On s'était content de la bis. Oui. Et on passe donc au dernier tour.
Je garde. Ah non, ça c'est quelque chose que je joue. Eh bien, on déploie. Hop, moi je joue ça, ça me coûte 2. Et ça me coûte 6. Et je vérifie que je ne suis pas trompé parce que 1, 2, 3, 3 c'est un, cher 1, 2, 3. Un dragon. Hop. Un dragon, ouais. Un dragon, il fait 7 s'il a du minerai. Et j'ai du minerai. Et il a du minerai, bien sûr. Et je vais donc c'est mettre un. Moi j'ai 4, hein, ça gagne 4. Je dois mettre un jeton. Hop, sur la sculptrice. Alors la couronne maudite l'oblige à mettre un jeton sur une carte et le met sur la sculptrice. L'intérêt de la sculptrice, c'est quand elle meurt, elle fait 3 PV. Donc la sculptrice, t'as souvent envie qu'elle meure vite. Là, ça me permet de la. Moi je mets 2 sur ma relique. Les artistes. Toi, tu mets 2 sur ta relique, ce qui est bien. Avec ma maîtresse du temps. Ce qui te fera 4 points, puisque chaque jeton rush, c'est 2 points sur. Ma pionnière aussi prend un. Voilà. C'était bien pour commencer la première. Ah oui, moi je suis en train de rêver, mais. D'accord. Ah oui. Je mets un jeton sur chaque unité. Ah oui. Ce qui ne change rien chez moi. Puis en plus, c'est la fin de la partie, donc ils mourront tous de leur belle mort. Mais c'est bien que tu n'aies pas de. Ouais, c'est dommage que j'ai pas de carte qui fasse des points sur les jetons H, sinon ça m'aurait fait beaucoup de points. Très bien. Et maintenant, on compte combien on a à la guerre. Bah 4, comme d'habitude. Fait une belle partie. Mais tout à l'heure, ça devait être 4. Je suis content d'avoir posé une épée de gloire au premier tour. Ça a l'air long de compter chez vous. Chez Clément, surtout. 16. 16, mais qu'est-ce qui te fait 16 c'est le... Bah c'est lui le... déjà non, il me fait. Lui il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, alors l'ogre, on va expliquer, c'est que l'ogre, il ramène 1 en force par pièce gagnée à la phase de revenu. À la phase de revenu, on gagne 2 d'emblée. Pourquoi 7, 8 on gagne 2 de plus parce que j'ai l'auberge. Et je gagne 2 de plus parce que je gagne une pièce par nourriture chez moi. Donc j'ai le chasseur qui est à l'avant et la forme d'abondance. Donc rien qu'à lui, il fait 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, et le bouclier de puissance qui fait 2 de plus, ça fait 16. Ouais. Et ben moi j'ai 11. C'est moi. C'est moi. Donc c'est moi qui mets les 6 points de la guerre. 6 points pour Clément. Il s'envole définitivement en 28. J'espère. Moi je vais rien prendre. Moi. Non, pas ce tour-ci. Non. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre comme scoring? Alors moi je mets 1 point par nourriture, donc ça me fait 2 points de plus. Et 1 point par unité au coût différent, donc ça me fait 3 points de plus. Ok, Martin. Ça, c'est dans la phase de guerre. Oui, souvent, les bâtiments, ils sortent dans la phase de guerre. T'as ton temps. Ah, et ça oui, oulala. Ça fait 2 points là. Ouais. 1, 2. Et ça, ça me fait. J'en ai 3 coups différents, donc ça fait 3 points. Et moi, 2. Je crois que c'est tout. Hey, je suis pas si loin, hein. Je suis que sur une ligne de différence. Non, mais. Par rapport au deuxième. Après, là, c'est une partie. On n'avait pas des opportunités de scoring incroyables. On a parlé pour vous. Et maintenant, on fait la phase de revenu. Clément, il triche, donc ça va. Moi, je trouve que c'est plus pratique de gagner quand on triche. Et en phase de revenu, je prends 6. On reverra cette déclaration d'avant-partie. Il fallait vraiment me surveiller. Je pense que c'était important. Alors, moi, je gagne 2 pièces ici pour la phase de revenu, plus. Ouais. Ah, non, c'est moins bien là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 seulement. 3, 4, 5, 6. Ah, vous êtes tous riches. Moi j'ai 6, mais ça va pas suffire. Pour acheter des trucs. Ouais, en fait, l'intérêt là, il va avoir la phase de construction. T'as l'intérêt de construire un bâtiment. Si tu construis un niveau 1, elle te fera 1 point. Si tu construis un niveau 2, elle te fera 3 points. Il te fera 3 points. Oui. Et de toute façon, tes pièces, c'est pour départager l'égalité. Donc, t'as plutôt intérêt à mettre des points en construisant des bâtiments. Oui. Donc, on est à la phase de construction. Moi, je vais faire la mine. Si on a les ressources. La mine, elle me paraît pas mal. Moi, j'ai les ressources. Je vais faire une ville, tiens. Hop. La mine, ouais, il faut soit un bois, soit 2 bois et un minerai. Bah, j'ai 2 bois et 1 minerai. J'ai même 2 bois et 2 minerais. Mais là, par contre, elle te coûte 6 pièces. Parce que c'est 2 bâtiments. Ah, bah oui. C'est ton quatrième bâtiment de la partie. Bien joué. Ouais, donc 3 au niveau 2. Et j'ai acheté un golem, j'aurais pu avoir les 4 au niveau 2. Finalement, j'ai estimé que bof. Et moi, je compte, mais en fait, j'ai pas assez de bois, donc je peux construire un bâtiment de niveau 1 pour 5. Ah, j'étais bête, j'aurais dû construire ce golem à la place de cette chercheuse d'or qui sert à rien en fait. Tu aurais tourné ton bâtiment, il coûtait le même prix. Non, allez, ça me rapportait autant. Je pense que cette ville au niveau 1. Ok. Et donc c'est la fin de la partie. Alors il y a la phase d'âge d'abord, parce qu'il y a des gens qui il se passe des choses quand. Elle meurt, ça me fait 3 points. Du coup, on va compter les bâtiments. Moi, 7 de plus. 7 de plus en bâtiment. Ouais. Oh, ça va pas suffire, je pense.
pour l'emporter. Mais attends, t'as pas vu mon score. On a pas encore vu le score maintenant qui fait beaucoup quand même. 10, c'est pas énorme. Alors 10 plus les 8 points de la relique. 10 plus 1. Oui, 11. Donc ouais. 11 déjà. Pas plus 1. Bah parce que pour l'épée de gloire. Ah oui, j'ai oublié. T'as pas compté. Ouais, dis-moi. 4 points moins. La bagatelle. Désolé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et les 8. Plus 8. De la relique. Ah, 32. 32. Pas mal. Ouais. Et 6 moi j'ai 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Plus 4. Oh. Bon. Voilà. Allez, j'ai commis une petite erreur en plus sur la fin parce que cette cherche d'or, je l'ai gardé. Mettre le golem. Ouais, il fallait mieux mettre le golem. Le golem, il t'aurait donné plus de force, mais ça aurait peut-être pas changé. Mais par contre, il t'aurait transformé ta. Mais oui, ça faisait quoi. En niveau 2. J'aurais été dernier quand même. Pas sûr. Parce que regarde, t'aurais fait 2 points de plus déjà. Oui. Et puis, si t'avais de la nourriture, il t'aurait rapporté des points sur la nourriture. Non, j'avais pas de nourriture. Non, mais il faisait un point de plus parce qu'il a un coup il avait un coup différent par rapport à. Parce que le golem. Ah non, il fait 2. Non, il fait pas 2. Je croyais qu'il faisait 3. Non. Donc voilà, toute une discussion pour rien. Donc là, c'est les cartes du mode solo que tu es en train de sortir. Alors, y a, là, il y a les cartes unités de l'extension. Ouais. Là, on retrouve des bâtiments supplémentaires, enfin, selon les 7, voilà. Et le mode solo, il se base sur ces cartes qui sont... Attends, je vais les mettre par là. Hop. Quand on va jouer en solo, on va avoir une carte de chaque type qui va être au début cachée. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5... Oui, d'accord, donc elles sont numérotées. Et on en tire une, on a, une de chaque catégorie, donc on sait pas exactement ce qu'on va avoir, et on va, ça va former une fresque au fur et à mesure de la progression. Et en gros, on va avoir le marqueur de tour qui va être ici. Et on va faire un draft, et les cartes qu'on ne va pas conserver, elles vont... rester dans ce qu'on va appeler les enfers, c'est-à-dire puisqu'on se bat contre le roi Lich et son armée maléfique. Ces cartes-là, elles vont servir au roi Lich à scorer en fonction des cartes qui sont indiquées ici. Donc là, par exemple, je sais que chaque carte que je lui laisse et qui produit de la nourriture va lui rapporter des points. En plus du fait qu'il marque automatiquement des points et il a deux armées, une armée noire et une armée violette, qui vont faire la guerre contre nous. Et il va falloir se battre. Et on va connaître. On connaît toujours au début du tour la moitié de la force. Et au moment de la guerre, on va révéler la carte suivante qui va nous dire en additionnant. Voilà, l'armée noire, elle vaut 5 de force. Et l'armée violette, elle fait 7 de force. Ah, donc là, j'aurais perdu au premier tour. Parce que moi, j'avais 5. Non, mais je me rappelle, hein, la guerre, donc, c'est pas mon truc. Donc ça recrée cette tension sur la guerre, cette incertitude sur la guerre, en ayant quand même un peu une idée de quel niveau il part, où est-ce qu'il peut à peu près arriver. Et on sait les cartes qu'on donne. Et il y a vraiment ce truc de contre-draft, de dire des fois je entre plusieurs cartes, puisque c'est un jeu que Paper Tales où le contre-draft est très important parce que tu n'es pas amené à jouer forcément toutes les cartes que tu vas drafter, donc tu vas vite rentrer dans le truc de dire cette carte-là, elle n'est pas vitale pour ma stratégie parmi les 4 cartes que j'ai, donc je vais en prendre une qui vraiment est trop forte pour un adversaire. Et là, tu vas retrouver un peu cette chose-là pour essayer de l'empêcher d'avancer trop vite sur le score, puisque ça va se cumuler au fur et à mesure de l'avancée de la partie. On va avoir de plus en plus de cartes comme ça qui vont toutes s'activer en fonction des cartes qu'on aura laissées dans le draft au roi Lich. Donc tu vois ce que tu dois pas lui laisser. Ok, bah merci pour cette présentation. On a un aperçu assez complet de ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette nouvelle boîte collector, hein, forcément, même ceux qui ont toutes les extensions et tout ça sont très attirés par cette nouvelle boîte collector. Ça a marché à un moment. Hein. Ça a marché à un moment. Je sais pas si ça existe encore, ça, les joueurs qui achètent toutes les extensions, enfin toutes les versions. Là, c'est pour ça qu'on sort la deuxième extension en même temps. Ceux qui ont déjà la boîte et qui ne veulent pas arracher la grosse boîte, ils pourront acheter juste la petite extension avec les artefacts légendaires. Voilà, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Vous avez les gens qui sont. Exactement. Paper Tales. Merci de nous l'avoir présenté. Je sais que je vais avoir des commentaires parce qu'à chaque fois je dis Paper alors que c'est Paper Tales. Paper Tales. Ouais, mais franchement, je peux. Pardon, je suis désolé. Je n'ai pas de leçon à donner sur les actions anglais. Tellement nul là-dessus. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao. À bientôt. Salut.